partage si t'es un homme. Et bah tu vois, ni soumise slash créapise, je partage. Je sais pas si ça fait de moi un homme à vos yeux, mais je partage votre contenu. Par contre, j'aimerais bien partager aussi vos conclusions, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas de cou, on les voit pas vos conclusions. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est surtout le mien quand je m'apprête à regarder une expérience de psychologie sociale. J'adore ça, j'en ai fait mon métier, ça tombe bien, juste avant de commencer, néanmoins. Ah, la migration. Il y a trois catégories de Français qui ont ce mot à la bouche. La première, ce sont les chantres du ministère de la fameuse remigration qui, selon moi, n'arrivera jamais. Les secondes, c'est les éternels mécontents, hein, comme disait La Fontaine. Volontiers, l'on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux haïsse le logis. Et les troisièmes, ce sont simplement les personnes de bon sens, hein, qui tout simplement se rendent compte que, quel que soit leur vote, leurs gouvernements successifs trahissent leurs idéaux. Bon, quelle que soit la catégorie à laquelle vous apparteniez, on a des DOMS et des TOM en France qui permettraient, a priori, de rester dans le giron de la République tout en s'éloignant du centre névralgique de tous ces problèmes. Ça tombe bien, j'avais un article à écrire pour le numéro 5 de La Furia. Et oui, déjà un an. Et cet article s'intitule « Le potentiel remigratoire de la Guyane française ». Et ben oui, j'en suis le ressortissant. Donc, à seigneur tout honneur, j'ai commencé par la Guyane en me demandant si nous ne devrions pas tous plier bagages pour aller vivre plus proche de l'équateur. Alors, je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour la sortie de ce numéro. Les précurseurs qui s'étaient abonnés à La Furia l'an dernier, n'oubliez pas de renouveler l'abonnement, tout simplement parce qu'un abonnement, ça ne dure qu'un an. Voilà, pensez au coupon Edouard. Le coupon Edouard, c'est 5 euros pour vous, l'économie. Et puis je vous le dis en toute transparence, c'est 5 euros pour moi. Voilà, donc 5 euros, c'est pas grand-chose. Mais ça met du beurre dans les épinards, ou comme on dit ici, de l'huile d'olive dans les brocolettis. Et puis si t'es un vrai, tu passes carrément VIP, et les La Furia, je te les offre. Le dernier et les trois précédents. C'est 2 heures de maquillage et de coiffure minimum. C'est assez troublant de se voir comme ça. La première fois que je suis sorti en femme, il y avait beaucoup de gens. Alors, vous savez que désormais, les réseaux sociaux ont transformé nos petits univers en vidéo-gags continuels. J'ai toujours demandé quelle tête vous aviez sous vos déguisements. Et bien maintenant, vous savez, on n'en a pas du tout. C'est le meilleur moyen de faire son travail à tête reposée. Je me rappelle, avant Internet, pour voir des expériences de, entre guillemets, de gags, de caméras cachées, qu'on appelait pas encore prank à l'époque, ou de psychologie sociale légère, il n'y avait qu'une seule émission, c'est Vidéo Gag avec Bernard Montiel et je sais plus qui, et les gens se filmaient au caméscope. C'était assez inégal. Alors désormais, ce genre d'expérience pullule. J'adore regarder les réactions de femmes travesties en hommes qui se rendent compte du traitement du coup réservé aux hommes, ou en l'occurrence d'hommes travestis en femmes qui va se rendre compte du traitement réservé aux femmes. Peut-être est-ce une vocation cachée ou un fantasme qui s'exprime. Non, je plaisante. Je déconne, tu vois, papa déconne. Je cite régulièrement le documentaire de Canal+, où trois comédiennes se sont grimées en hommes et sont sorties s'encanailler sur les quais ou dans les troquets, et se sont rendues compte que, en fait, elles étaient invisibles aux yeux des femmes, et que le simple fait d'entretenir une conversation badine demander une énergie considérable et hors de leur portée, elles se sont effondrées en pleurant dans l'escalier. Je t'ai pas fait d'amis ? Non, pour l'instant. Voyons comment ce beau garçon, en plus, ce viking à la française, là, une espèce d'éphèbe, voilà, quel âge il a, 25 ans, imberbe, mâchoire carrée, belles épaules. Voyons d'abord, est-ce qu'il est crédible en femme, ce qui n'est pas gagné à la base, enfin, quoique le fait d'être un berbe aide. Et voyons le sort qui lui est réservé par les hommes dans la rue et par quels hommes. Pour être tout à fait complet, il eût fallu qu'il dit où il sort, en fait. Là, j'ai l'impression, à la forme de la rue, à reconnaître un petit peu les quartiers de Beaubourg, que j'ai bien connu, mais j'ai un doute, voilà, pour être tout à fait complet. Mais ne boudons pas notre plaisir. Femme, il y avait beaucoup de gens, je me sentis extrêmement vulnérable. Oui, alors c'est Beaubourg, c'est le jardin autour de Châtelet-Les-Halles, récemment restauré. Voilà. Alors, il faut savoir que ce quartier est, pour le moins, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas l'Île-de-France, pour le moins cosmopolite,
puisqu'il est en fait la plateforme où transite toute la banlieue française, plus quelques Parisiens qui passent par là pour se restaurer à midi. Donc, est-ce que ça va inférer un peu les résultats ou pas? En tout cas, le premier homme qui s'adresse à elle, à moitié de dos, ce qui est déjà absurde, parce qu'on n'aborde pas les gens de dos. Enfin, d'abord, il devient très délicat d'aborder dans la rue, et a fortiori, de dos, ça a toujours été une connerie. Le premier homme est d'origine africaine. C'est un fait, c'est pas du racisme, ça se voit. Et il se fend d'un oula. Oula ! Bon, qui n'est pas méchant, mais qui est un peu stérile, on va dire. Et alors, ce monsieur d'origine africaine, qui n'est pas habillé comme une racaille, est par contre entouré de 1, 2, 3 jeunes minimum, qui, eux, pour le coup, ont les styles de racaille. Hein. Mais paradoxalement, on voit que c'est pas eux qui abordent, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Olga. C'est un monsieur d'origine peut-être antillaise, qui est assez nul, et qui aurait pu se passer de son oula, mais encore une fois, bon, pour l'instant, c'est pas bien méchant. Ce qui est très drôle, c'est que le jeune homme a 25 ans, on imagine que maquillé et déguisé en femme, il en fait sans doute 22-23, et il est abordé par des hommes quadra ou quinquagénaires, même s'ils sont floutés, ils ont un peu une démarche comme ça, un peu raide, de quadra ou de quinquagénaire. Et donc il y en a un là, en requin, en jean, qui fait semblant de téléphoner ou qui téléphone. On imagine qu'il fait semblant parce que quelqu'un de sensé au téléphone ne va pas s'interrompre pour balancer un tranquille à une passante. Enfin, on imagine que peut-être que dans leur quartier-ci. Et là, je suis désolé, mais ça se rapproche quand même du wesh. Hein. C'est-à-dire que ça va tranquille, c'est quand même connoté communautairement. Wesh, frère, ça dit quoi ? Mon frère, on est là, on fait les bails, au calme, tranquille, on est là. Pas autant que voilà, très beau cul. Et voilà, très beau cul. Qui là, pour le coup, est quand même open disclosure sur la communauté qui s'en fait l'écho. Voilà, donc là, les trois premiers, et je garantis que nous n'avons pas remonté l'extrait, les trois premières interactions qu'a eu un jeune homme propre sur lui, grimé en femme dans la rue, sont avec un Antillais qui dit oula, un Arabe très probablement qui dit voilà, et le papa de l'Arabe qui dit ça va tranquille. Bon, on imagine que son enrichissement culturel est pour l'instant assez limité, les intérêts sont très relatifs. Hein. D'avoir tous les regards sur. Ah, alors là, tout à coup, on est dans le registre de l'animalité. Donc là, on va se livrer à des conjectures sur l'origine du quatrième passant, qui a encore une fois un jean infect, encore une fois une espèce de bombers, et qui fait ce geste avec la main. Donc, on n'a pas le faciès, mais... Ce geste-là, quand même, s'il n'est pas connoté communautairement, je ne sais pas ce qu'il est. D'avoir tous les regards sur soi, c'est très déstabilisant pour une fille ou pour une personne en général, quoi. Ouais, mademoiselle. Ah, le « ouais, mademoiselle », pareil, je l'ai déjà entendu quelque part, et c'est marrant parce qu'il y a une petite récurrence ethnique. Ah, mais comme moi, quoi. Laisse faire l'artiste. Ah, hey, mademoiselle. Ouais. Ah, t'es trop charmante, sérieux. Et encore une fois, ce qui est drôle, c'est qu'on est sur Créapils, qui est un média probablement combinesque, c'est-à-dire progressiste, mondialiste, immigrationniste, cosmopolite. Et donc, on imagine que leur enjeu va être de sanctifier l'agression verbale des femmes dans la rue sans jamais nommer l'agresseur. Hein, on parie, je prends les paris, mais j'ai très peu de risques de perdre. Et c'est notre beauté, là. Ah, mais elle est vraiment jolie en fille, en fait. Là, on la découvre à 0022, je ne l'ai même pas reconnue. On dirait Isabelle Carré, jeune. Je pense que ce jeune homme s'est trouvé une vocation. C'est drôle, parce que rappelez-vous, à l'époque où nous avions découvert Jean-Pierre Fanguin ou Fangin sur la chaîne... Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne... Je t'emmerde avec ma classe sociale basse ou moyenne. Il y a 25 ans, on avait une grande inquiétude en France, incarné par des défenseurs du français classique. C'était notamment le décret ou la loi tout bon qui devait un peu pondérer et limiter l'usage de l'anglais dans la langue française. Mais là, on n'est plus en danger de se faire cannibaliser par les Anglais, enfin par les Américains plutôt, on est en danger de se faire cannibaliser par un parler qui est un arabo-français de banlieue où les R sonnent comme un... Écoute ces R, ça sonne comme de l'arabe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Entrepreneur. Si je me permets de te contacter,
C'est pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple. Probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne. Je peux et du coup, cet accent-là, c'est ce que j'entends quand j'appelle n'importe quel service client de n'importe quelle boîte française. Et vous m'avez dit non, pas du tout, c'est l'accent du canton de Vaud. Bon, alors je ne sais toujours pas si c'est l'accent du canton de Vaud. Par contre, je sais qu'en France, à Châtelet, quand on entend... C'est de votre beauté, là. En général, la spécialité culinaire, c'est plus le tagine que la raclette. Hein. Ah, j'ai tu me donnes ton numéro ? Tu me donnes ton numéro ? Il n'y a pas un accent français d'aucune des régions de France pour l'instant. On m'a interviewé il n'y a pas très longtemps pour savoir si j'étais ou non favorable à l'enseignement de l'arabe. C'est la question piège. Bien sûr que je suis favorable à l'enseignement de l'arabe. C'est une immense civilisation, il y a une immense littérature, etc. Mais de l'arabe, pas du patouette parlé dans les quartiers. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pas la langue mélangé d'arabe, de turc et de je ne sais trop quoi, de l'imam qui va faire un cours à quatre personnes dans un truc planqué au cœur du panier à Marseille. Vous voyez ? On n'a que des accents d'importation, je suis quand même désolé. Mais comme dirait la Ganerie ou Bégovo, le réel, quand même, ça fait un peu chier, quoi. Nous nous entre-documentons très très bien. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Bah, dites-moi quelque chose. La frange, là. On dirait un petit porno. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la grossièreté, c'est utilisé avec parcimonie et en proportion, je dis bien en proportion du niveau de culture. D'abord, on ne dit ni niquer, ni bonne, ni belle à un inconnu. On le dit éventuellement dans une vidéo YouTube, mais on le dit à la mesure de ce qu'on a fait montre au préalable de son vocabulaire, de sa syntaxe et de ses références. Et seulement à cette condition, on peut se permettre, une fois n'est pas coutume, d'être grossier. On n'est pas grossier quand on a une tête de QI à deux chiffres, une dégaine de RSiste, et qu'on est dans le métro avec une inconnue. Bon, après, c'est beaucoup leur en demander par définition. C'est quand même choquant d'avoir ce genre de comportement. Oui, mais alors ce genre de comportement émane de qui, Olga ? En fait. Ah ben, on n'a pas la réponse. On a le collectif, l'inénarrable, ni pute ni soumise, hein, qui est, c'était quoi ? C'était Alonso, il y a 15 ans, qui avait lancé ça, je crois, qui nous résume la problématique, donc j'imagine qu'il va donc appeler à une certaine forme de fin de l'angélisme, de fin de la sociologie de l'excuse, et une application des OQTF, et à une fin de l'immigration de masse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mettez-vous à notre place. Oui. Je me déguiserai pas en femme, mais par contre, je veux bien, sur le principe, me mettre à ta place. Ça s'appelle l'empathie, et c'est ce que je fais dans chaque vidéoscopie. Et vous comprendrez. Oui, on comprend, mais on comprend quoi, en fait, ni pute ni soumise ? Hashtag à notre place. Oui, ça, c'est une tautologie, tu l'as déjà dit. Partage si t'es un homme. Eh ben, tu vois, ni pute ni soumise, slash créapise, je partage. Je sais pas si ça fait de moi un homme à vos yeux, mais je partage votre contenu. Par contre, j'aimerais bien partager aussi vos conclusions, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas de couilles, on ne les voit pas, vos conclusions. Elles sont où, vos conclusions sur l'immigration ? Partage si t'es une femme, partage si t'es choqué. Oui, je suis choqué par ce que je vois. Je suis choqué. Mais je pense qu'on n'est pas choqué par la même chose. Partage si tu es sceptique. Non, je ne suis pas sceptique. Je vois bien que ce que tu me montres est conforme au réel, puisque c'est le réel que j'observe également dans la rue quand je suis à Paris. Partage si t'es séducteur, donc je vois pas tellement ce que ça a à faire là. Partage si t'es scandalisé, oui, je suis scandalisé, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Macho, convaincu, etc. Retrouver l'expérience complète. Bon, l'expérience complète, on mettra leur lien à l'écran, évidemment une vidéoscopie, on n'a pas le temps de commenter un document de 30 minutes. À votre avis, sur leur site, ni pute n'est soumise, arrive-t-il à des conclusions un peu plausibles et un peu réalistes sur la surreprésentation d'une communauté dans l'emmerdement des femmes dans la rue ? En tire-t-il des conclusions sur également la coercition sur leur corps, la haine de la mini-jupe, le voile et compagnie ? Mon intuition, c'est que non. Je crains qu'ils ne tirent pas les conclusions des faits qu'ils dénoncent. Et vous connaissez bien la citation préférée de quelqu'un, de Bossuet, chérir les causes dont on déplore les effets. Bref, nous attendons toujours la publicité qui dénoncera la représentation
d'une certaine communauté dans l'emmerdement des femmes dans la rue. Après, on ne sait jamais, hein, on peut toujours rêver, on peut peut-être attendre une évolution et une éducation sur le tard, ou pas. Bref, partagez cette vidéo avec des gens qui seraient sceptiques de ce que vit une femme dans la rue. Voilà, choisissez les plus sceptiques de vos amis et partagez soit l'intégralité, soit filmez votre écran, partagez quelques secondes. Et dites-moi ce qu'ils en pensent. Et retrouvez-moi pour en parler sur les différents réseaux sociaux et asociaux. Donc quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, que ce soit un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui.